Attendez 30 secondes. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Bibi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit extrait d'une game. Je joue Darius, Shonashor, et c'est tout ce que je vous dis. Voilà, voilà. Admirez le gameplay, admirez, admirez. J'ai enfin le pentakill, je l'ai enfin ce pentakill avec Monsieur Dunk, avec LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, tout ce que vous voulez, et je fais ce pentakill, et il surrende à la fin, 30 minutes de game, je suis en 21-3, j'ai carré la game tout seul, j'ai joué tout seul, je suis Darius, et je vous baisse tous. Non, franchement, attendez, on va regarder. Oula, what the fuck. Okay. Voilà, on va regarder. Non, attendez, voilà. Là, normalement, c'est là, voilà. Non, mais regardez pas le triple kill. Là, c'est là. On est en Ashor. Bon, Nocturne Arrival Steel. Je suis un peu deg. Je me dis, putain, ils vont réussir à revenir. Non, j'arrive à ult Vayne. Et là, je double dunk sur Nocturne et Yasuo. Parce que j'ai one shot. J'arrive à tuer Mundo, il a aucun... En fait, Mundo, je savais pas qu'il avait zéro armor, et là, j'ai le flash, et c'est grâce à ce flash, justement, que j'arrive à le tuer, et je fais le pentakill. Je suis... Franchement, là, quand je vois le gameplay que je viens de faire, enfin, quand je vois le pentakill, justement, je me dis, c'est normal que Darius soit ban en solo queue, même en duo queue. Darius, c'est contrable par... En solo et duo queue, victory, hein. En solo et duo queue, par Renekton, par Kennen aussi, voilà. J'ai que ces deux, justement ces deux champions en tête. Mundo aussi, ça pourrait le counter. Yasuo, si le Yasuo il est maîtrisé parfaitement, je suis en duo Q, silver, gold, même platine. Platine, c'est pas aussi ouf que ça. Mais même ce silver, les bronzes, c'est pas, ils sont pas calcés pour moi, c'est de la merde. Mais en solo Q, silver, gold. Et platine, même en platine, c'est pas tant ban que ça, Darius, déjà. C'est contrable que par le match-up truc. Si ça, on prend pas de Renekton, si on prend surtout une Riven ou une Fiora contre un Darius, là, c'est auto-win, quoi. C'est auto-win pour le Darius. Donc, c'est difficile. C'est difficile à jouer contre un Darius, et je comprends pourquoi c'est ban. C'est pour ça que c'est pas ban en World. Ça, je viens juste de... Je fais ce gameplay entre deux games de Fnatic contre EDG. Je viens de voir un stomp littéral de Fnatic contre DG pour le 2-0, donc je comprends pourquoi truc est ban. Je comprends vraiment pourquoi truc est ban. Darius est ban. Avant je comprenais pas, maintenant je comprends. Et c'est normal qu'il soit ban. Si je suis force big, je bannirai pas pour que je l'ai justement. Mais je pense que ça force ban pour l'autre équipe. Après s'il est pas ban, j'ai Gnar. Voilà. Et Gnar surtout, Gnar c'est un counter parfait à Darius à partir de... Gnar, dans les 10-15 premières minutes, c'est nul. C'est indéniable, c'est nul. Ça, le mini Gnar, Gnar à mon niveau 6, même avant le niveau 6, c'est nul. À partir du niveau 6, ça commence à avoir de la puissance. Avec son stun, son double stun, ses CDR avec le phage qu'on chope, où on commence soit phage, soit. Soit couperet noir, soit truc, avec Gnar, mais. Je fais un peu longuer cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà quoi, Gnar ça contre favorablement très bien, même je vais pas dire favorablement, mais très bien, ça contre très très bien Darius. Donc je comprends pourquoi c'est ban, mais bon, je suis un joueur top laner en ce moment. Je joue que la top lane, je joue beaucoup Darius, Gnar et Karim. Et Karim, je joue très très souvent. Diana top, je joue aussi ces derniers temps. C'est mes 4 picks préférés, hein. Yasuo aussi, mais Yasuo c'est très très rare. Si je joue Yasuo, ce sera au mid. Je joue très très peu ADC. Je joue jamais ADC, je joue jungle quand il le faut avec moi et Karim.
ou même quelquefois avec d'autres champions, j'en ai pas en tête, avec Diana surtout aussi en jungle. Je parle un peu de ma vie sur League of Legends, c'est comme si j'allais être un pro MDR, mais voilà quoi, je déteste jouer ADC, si je fais pas du Q, donc voilà. Et bon, je parlerai de tout ça prochainement dans une autre vidéo qui arrivera prochainement aussi. Je sors pas des vidéos comme avant, enfin tous les jours. Là, c'est les vidéos quand je sors, je les sors quand je veux. Et quand j'ai des trucs très très intéressants avec mes gameplays. Donc voilà, là, j'ai ça déjà, c'est très intéressant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo un peu trop longue. Si vous voulez, vous pouvez couper dès que j'ai fait le pentakill, hein. Le reste, c'est pas du gameplay, c'est juste la parole, du blabla. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, commentez et tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et tchuss.